Bonjour à tous, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui nous allons voir ensemble la deuxième séance, la séance B du programme Half Body que je vous ai proposé il y a quelques jours. Donc je vous rappelle qu'on a déjà vu ensemble la première séance, la séance A. Si vous l'avez loupée, vous pouvez la retrouver dans les fiches jointes ou alors dans la description. Lors de cette première séance, nous avons travaillé les quadriceps, les trapèzes, les dorsaux et les triceps. Aujourd'hui, nous allons travailler la chaîne postérieure, donc fessiers, ischio-jambiers, épaules, pectoraux et biceps. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, le but de ce programme est de vous permettre de vous entraîner chez vous avec uniquement une paire d'haltères réglables. Bien sûr, vous pouvez adapter, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la première vidéo, vous pouvez adapter ce programme pour vous entraîner 2, 3 ou 4 fois par semaine. Et tous les exercices qu'on a déjà vus ensemble et ceux qu'on va voir, continuer à voir ensemble sont accessibles à la plus grande majorité des personnes actives, quel que soit leur niveau. Nous allons très vite commencer cette deuxième séance avec un combo, donc une combinaison de deux exos, deux en un. On va combiner du soulevé de terre roumain à une jambe avec des fentes arrière. Et ici, bien sûr, le but, c'est de cibler la chaîne postérieure. Donc quand je fais mes fentes arrière, je vais prendre un pas exagéré vers l'arrière, de façon à que le genou de la jambe en appui, donc le genou de la jambe qui est à l'avant, ne dépasse pas la ligne des orteils. Hein, donc pour minimiser la flexion du genou et mettre le plus de tension possible sur cette chaîne postérieure. Quand je reviens à la position debout, j'engage les fessiers pour replacer le bassin dans une légère position de rétroversion. Je me mets en appui sur une seule jambe. Je fais mon soulevé de terre roumain à une jambe en penchant le buste vers l'avant. Et ici, il faut que je ressente un étirement au niveau des ischio-jambiers avant de me remettre debout et d'enchaîner avec les fentes. Ici, bien sûr, je vous conseille de faire entre 3 à 4 séries de 5 à 10 répétitions par côté. Vous allez prendre entre 30 à 1 minute de repos entre chaque côté. Ensuite, vous allez prendre un peu plus de poids et nous allons attaquer du soulevé de terre en position décalée. C'est-à-dire que je vais avoir 90% de mon poids de corps sur une seule jambe et 10% sur la jambe qui est en arrière, qui est posée sur la pointe des pieds et qui est là juste pour maintenir la stabilité. Donc ici, c'est comme un soulevé de terre à une seule jambe, sauf que je n'ai pas le facteur limitant de l'équilibre vu que j'ai l'autre jambe qui est quand même en appui, donc un petit appui sans mettre trop de poids dessus, juste pour maintenir l'équilibre, ce qui va bien sûr me permettre de prendre plus de poids et de mieux fatiguer les muscles ciblés ici, les ischio-jambiers et les fessiers. Pareil sur cet exercice, je vous propose aussi de faire entre 3 à 4 séries et cette fois-ci un peu plus de répétitions, entre 10 à 15 répétitions par série. Les points techniques ici pour le soulevé de terre roumain sont exactement les mêmes que pour la vidéo que j'ai déjà faite sur cet exercice avec barre que vous allez pouvoir retrouver dans les fiches jointes ou alors dans la description. Donc je ne vais pas passer du temps dessus, sinon cette vidéo risque d'être beaucoup trop longue. Pour la suite, nous allons attaquer les pectoraux et je vais aussi vous proposer deux exercices. Ici, c'est à vous de choisir, soit vous faites les deux exercices avec un peu moins de séries par exo ou alors vous faites qu'un seul exo avec un peu plus de séries. Je vous propose de commencer avec du floor press. Alors, c'est exactement du développé couché, sauf que au lieu d'être sur le banc, vous le faites au sol. Maintenant, bien sûr, si vous avez un banc à disposition, vous faites du développé couché avec haltère sur le banc. Et pour ceux qui n'en ont pas, je vous propose cette variante. L'avantage du floor press, c'est donc justement cette extension de l'épaule qui est limitée grâce ou à cause du sol et qui va du coup diminuer un peu l'extension, l'amplitude du mouvement au niveau de l'épaule et diminuer les traumatismes et les tensions articulaires au niveau de l'épaule. Le deuxième exo que je vous propose pour les pectoraux, c'est le bridge press. C'est un excellent exercice. Ici, je suis en position de pontage, toujours au sol. Donc, je vais faire travailler la chaîne postérieure, fessiers, ischio-jambiers. Ça tombe bien puisque ça fait aussi partie du thème de la séance. En plus, cette position de pontage me permet de mieux cibler le bas des pecs. Donc bien évidemment, vous pouvez très bien aussi travailler en unilatéral, ça peut être intéressant pour rattraper un point faible ou tout simplement c'est intéressant dans le cas où vous n'avez pas assez de poids, assez de disques à partager entre deux haltères. Les points techniques ici sont importants, alors je ne vais pas tous les détailler, vous allez pouvoir les retrouver dans la vidéo
technique dédiée au développé couché haltère que j'ai déjà faite. Vous pouvez la retrouver dans les fiches jointes ou alors dans la description. Il faut juste noter que la position du coude ici n'est pas écartée. Je ne suis pas à 90 degrés. Je vais être entre 45 et 60 degrés. Et je vais avoir une position plutôt neutre de l'haltère en bas du mouvement. Et quand je pousse, je vais finir en pronation. Donc neutre en bas, pronation en haut. Le coude à peu près entre 45 et 60 degrés. Je ne suis pas obligé de rétracter les épaules sur ce mouvement parce que dans tous les cas, l'extension est limitée par le sol. Et concernant les séries et les répétitions, vous allez être entre 5 à 10 séries au total pour les deux exercices. Donc vous faites la moitié si vous choisissez de faire uniquement un des deux et vous allez être entre 7 à 10 répétitions par série. Nous allons maintenant passer au deltoïde et ici, je vous propose de faire un exercice de poussée vertical parmi les trois que je vais vous proposer. Donc premièrement, je vous propose de faire du push press. Donc ici l'avantage de cet exercice c'est de pouvoir prendre un peu plus lourd parce qu'on a justement cette petite impulsion des cuisses qui nous permet de mettre plus de poids. Pourquoi pas? C'est une variante qui peut être intéressante justement pour varier un peu et éviter de faire tout le temps les mêmes exos. Le deuxième exercice que je vous propose c'est tout simplement du développé debout avec halter, du classique. Ici, c'est un exo que vous pouvez aussi faire assis, non pas sur une chaise, mais au sol. Et la position assise, comme ça, au sol, avec les jambes tendues, est très, comment dire, challenging, parce que les ischio-jambiers sont étirés, et ce qui va vous permettre d'éviter de partir en antéversion du bassin, de chercher une extension en cambrant le bas du dos, et donc vous êtes obligé de compter sur l'extension des vertèbres dorsales. Et donc c'est un excellent exercice qui va vous obliger à travailler aussi la mobilité thoracique. Et les points techniques à surveiller ici sur ces trois mouvements sont premièrement un bon gainage, surtout pour les variantes en position debout. Donc pour éviter de cambrer le dos, il faut bien sûr contracter les abdos, les fessiers aussi, puisque les fessiers, la contraction des fessiers va aussi protéger le bas du dos. Donc restez bien gainé pour éviter de cambrer. Deuxièmement, notez la position du coude. Donc encore une fois, je ne suis pas écarté ici avec les coudes dans le même plan des épaules. J'ai les coudes légèrement vers l'avant. Je vais travailler dans ce qu'on appelle le plan de la scapula. Donc les coudes légèrement devant l'épaule. Et pareil, la position des poignets, je suis neutre en bas, en pronation en haut, ou alors je peux rester neutre pendant tout le mouvement. Un peu comme au développé couché avec halter. Donc vous choisissez un seul de ces trois exercices pour lequel vous allez faire entre 3 à 4 séries de 7 à 10 répétitions. Ensuite, nous allons passer au deuxième exercice, toujours pour les deltoïdes. Alors ici, bien sûr, il y a aussi les trapèzes qui vont être sollicités sur cet exo qu'on appelle le butterfly raises. Donc c'est un peu une variante des élévations latérales, sauf que ici, je vais continuer le mouvement, je vais continuer l'abduction jusqu'à ce que les haltères se retrouvent au-dessus de la tête. Ceci me permet bien sûr une amplitude de mouvement beaucoup plus importante. Je vous rappelle que les deltoïdes continuent quand même à travailler, même lorsque je dépasse la ligne des épaules, d'accord? Même si les trapèzes vont venir aider les deltoïdes, ceci ne s'arrête pas de travailler. Donc on a quand même un travail des deltoïdes jusqu'à la fin du mouvement. Pour cet exercice, je vous conseille de faire aussi entre 3 à 4 séries, et cette fois-ci un peu plus de répétitions, entre 12 à 20 répétitions. Nous nous rapprochons de la fin de cette séance avec un exercice pour les biceps. Alors ici, je vais vous proposer deux variantes. Vous choisissez une seule des deux. Ces deux variantes, en théorie, vont cibler plutôt le chef long du biceps, donc le chef latéral, celui qui est à l'extérieur du bras. Mais ceci va essentiellement dépendre de votre anatomie. Je ne vais pas rentrer dans des détails biomécaniques, mais il faut quand même savoir que le chef long du biceps ne va pas forcément travailler plus en position inclinée avec les coudes derrière le buste. Il peut aussi être très bien sollicité et très bien travaillé en position de rotation interne, avec le bras en rotation interne, comme ici sur cet exercice qu'on appelle le cross body twist, twist pour rotation, biceps curl. Donc le but est de faire une flexion du bras en amenant l'haltère vers le pectoral du côté opposé et en faisant aussi une supination. Bien sûr, ici, on alterne entre le côté droit et le côté gauche, ou alors on fait toutes les répétitions d'un côté avant de passer au côté suivant. Le deuxième exercice que je vous propose, et qui suit bien sûr aussi la même logique que l'exercice précédent, c'est ce qu'on appelle les biceps curl concentration, buste penché.
Ici, je ne veux pas appuyer le coude contre l'intérieur de la cuisse. Je veux garder le bras à la verticale et perpendiculaire pendant tout le mouvement en prise supination. Donc ici, je n'ai pas une rotation du poignet. Vous choisissez un seul de ces deux exercices et vous allez faire entre 4 à 6 séries pour les biceps et entre 8 à 12 répétitions par série. Et nous allons finir cette séance avec du gainage, donc un exercice qui fait partie de mes préférés, la roue abdominale que vous allez pouvoir faire sans roue, avec les haltères. Comme ce que vous êtes en train de voir, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques sur cet exo parce qu'il a déjà été traité en long et en large dans une autre vidéo qui lui a été dédiée, que j'ai déjà faite, qui est publiée sur ma chaîne, que vous pouvez voir soit dans les fiches jointes, soit dans la description. Ici, vous pouvez travailler soit avec deux haltères, soit avec un seul haltère. C'est exactement la même chose. Le point technique le plus important, c'est de garder un bon gainage contracté fessiers abdominaux pour éviter de cambrer et de creuser le bas du dos. Et donc voici pour cette séance B qui vient compléter ce programme en half body composé de deux séances, la séance A et la séance B, que vous pouvez faire bien sûr 2, 3 ou 4 fois par semaine, comme je vous l'ai déjà expliqué, en ajustant vos séries, votre volume d'entraînement par séance en fonction de la fréquence hebdomadaire que vous décidez de faire. Concernant le temps de repos, je n'ai pas beaucoup parlé du repos. C'est une séance de musculation, donc le repos doit être quasi complet. Je ne veux pas transformer cette séance en cardio training, donc il faut récupérer votre souffle avant d'enchaîner les séries suivantes. Si vous travaillez en unilatéral, bien sûr, le temps de repos va être plus faible, puisque quand vous êtes en train de travailler un côté, l'autre est en train de récupérer. Donc dans ce cas-là, vous allez tourner entre 30 secondes à 1 minute, peut-être 1 minute 30 de repos, pas plus. Et quand vous faites des exercices en bilatéral, vous allez peut-être prendre entre 1 à 2 minutes de repos. Concernant la charge de travail, donc encore une fois, je n'ai pas beaucoup développé dessus, quel poids vous allez pouvoir utiliser. Alors bien sûr, ça va dépendre de votre niveau, ça va dépendre de plein de facteurs. Mais ici, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les séries doivent être suffisamment difficiles pour stimuler une réponse anabolique. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop difficile non plus pour ne pas vous cramer. Donc il faut éviter l'échec musculaire. Mais il faut se rapprocher de l'échec musculaire tout en l'évitant. Donc gardez entre 1 à 2 répétitions en réserve pour chaque série. Donc vous allez choisir le poids qui vous permet justement de garder 1 à 2 répétitions en réserve pour chaque série, tout en restant dans la fourchette de répétitions que je vous propose. Sur ce, je vais conclure cette vidéo. Essayez ce programme, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, je vous invite à l'aimer, à la partager pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître mon travail sur cette chaîne Olympfit. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr aussi soutenir financièrement mon travail sur mon compte YouTube. Ça m'aide beaucoup et ça me motive à continuer à travailler, à investir beaucoup, beaucoup de temps pour vous faire des vidéos de qualité. Merci beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.